L'alliance avec Languedoc-Roussillon, ben, paraît une très bonne chose, parce que nous avons quand même une histoire commune. Je sais pas, j'imagine qu'il y a de bonnes raisons économiques et qui, ça peut permettre d'avoir des synergies entre les deux régions. Je pense que ça peut apporter du bon à plusieurs niveaux en fait. Pas grand chose, c'est un truc qui les arrange au niveau administratif, mais ça va pas changer énormément de choses, je pense. Je pense que s'il s'agit de vouloir faire des économies en réduisant le nombre de, je sais pas quoi, des fonctionnaires, des bureaux, tout ça, ça risque de pas être à la hauteur. Non, je trouve que peut-être c'est pour être un peu chauvin, mais je trouve que c'est bien de garder sa région, son identité. C'est le sud-est quand même, hein, c'est pas le sud-sud. En soi, administrativement, je pense que la fusion de ces deux régions, donc Midi-Pyrénées et Languedoc, est une bonne chose. Ouais, bah, plein de choses. Par exemple, je sors du CRIJ actuellement, c'est un truc qui est financé par la région. Ça peut financer des formations, des études, ça organise des choses. La région, elle est compétente en matière donc, de transport, elle est compétente en matière de tourisme. Mais... La région, ouais, alors la région sert principalement à trouver des emplois, les transports, gérer les lycées, ce genre de choses. Je sais pas, le grand sud-ouest. J'avais entendu Occitanie et moi ça m'allait bien. Je pense qu'on pouvait aussi avoir quelque chose comme le Languedoc. Oh, Mazette. Jusqu'à Paca, qui doit être quelque part par là, et puis on doit inclure le Gard, les choses comme ça, et puis on va revenir par là, en incluant l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, l'Aude, qu'est-ce qu'il y aura d'autre, les Pyrénées orientales évidemment, et puis après on va inclure ce qui nous est propre à nous, Midi-Pyrénées. Par là ? Je sais pas trop. Pas mal.